Salut, avec cet exercice que je vais te proposer, on va regarder ensemble une des questions qui revient assez souvent sur les exos de chimie, à savoir en terminale, à savoir comment déterminer le XF, l'avancement final d'une réaction. Donc c'est une question qui revient, comme je te dis, assez souvent. Il y a plusieurs techniques pour déterminer les avancements finaux d'une réaction chimique. Et en fait, ça dépend, donc la technique que tu vas devoir utiliser dépend de l'exercice avec lequel tu te trouves. Là, en l'occurrence, on va bosser avec un exo sur les équilibres acido-basiques. Donc les techniques qu'on va utiliser ici, elles sont en lien avec l'utilisation du pH et c'est vraiment une des techniques qui revient le plus souvent sur ce type d'exo. Donc écoute bien, je vais essayer de détailler le maximum, surtout quand on va faire le tableau d'avancement. Et puis normalement, on devrait bien s'en sortir, c'est pas super compliqué. Donc comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, à diffuser autour de toi, à participer, à faire grandir l'aventure de cette chaîne YouTube, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné, allez faire un tour sur mon site internet si tu n'es jamais allé sur mon site. Dessus, tu trouveras des fiches synthèses, des vidéos synthèses de cours, des vidéos d'exo bilan corrigé en physique chimie, enfin niveau terminal, spé physique chimie, des exo bilan corrigés qui vont te permettre de bien te préparer avant tes contrôles. Donc voilà, n'hésite pas, tout ça c'est en descriptif dans le lien en descriptif dans la vidéo. On démarre sur l'exo, indicateur coloré, je te propose de faire la lecture de l'énoncé par toi-même comme d'habitude, et puis après tu te corriges, tu peux déjà essayer de le faire donc tout seul. Le flacon opaque d'un indicateur coloré est découvert, avec pour seule indication sa concentration en quantité de matière C égale 2,90 10-4 mol par litre, et son pH 4,18. Le couple acide-base de cet indicateur coloré sera noté HIND, IND-, ça aussi c'est ultra courant dans les exos. Cet indicateur coloré il est souvent utilisé. Enfin cette notation pardon est souvent utilisée. Déterminer la concentration en ion oxonium. Question basique de cours. Basique, acide-base. Non, c'était pas une blague. Alors, déterminer la concentration en ion oxonium. Tu as le pH, il te le donne ici. Et tu as la relation H3O+ égale 10 moins pH. Donc franchement, on va pas se priver. H3O+ égale 10 moins pH. On va faire notre calcul et donner la réponse en mol par litre. C'est aussi simple que ça. Donc 10 moins pH. Ça nous fait environ 6,6 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Question 1, c'est traité. Question 2, déterminer, donc on y est, déterminer le taux d'avancement de la réaction entre la forme acide HIND et l'eau. Donc la réaction entre HIND et l'eau, on va l'écrire déjà, et puis après on va se faire un petit tableau d'avancement. Donc HIND, c'est un acide, plus O donne IND-, pardon, plus H3O+. On fait le tableau d'avancement dessous, même s'il ne le demande pas, on va faire ça. Je t'ai dit, hein, je vais détailler le maximum possible. Comme ça, tu auras un exemple, tu pourras t'appuyer là-dessus. Donc dans mon tableau, je vais mettre quoi? Je vais mettre juste état initial, état final. C'est vraiment un tableau sommaire, histoire d'avoir les informations essentielles. L'eau, bien sûr, je ne dirai rien dessus parce que c'est le solvant. 0, 0, XF, XF. On va dire que la quantité initiale de HIND, c'est N0. Et donc, à l'état final, il me reste N0 moins XF. OK? Voilà. On te demande le taux d'avancement. Donc, pour la question 2, on va écrire ici de quoi on a besoin. Tu sais que le taux d'avancement, c'est le rapport de XF sur Xmax. Et du coup, si tu veux le taux d'avancement, il te faut XF, il te faut Xmax. On va commencer par Xmax parce que c'est le truc le plus évident à mettre en évidence. Alors, Xmax. Xmax. C'est quoi? C'est si la réaction était totale. Ce qui n'est pas le cas. Si la réaction était totale, il se passerait quoi? Ben, il se passerait que la quantité de matière finale de l'acide HIND serait égale à 0. Mais la quantité de matière finale, c'est quoi? Ben, c'est N0 moins Xmax. Là, on ne met pas XF puisqu'on raisonne dans le cas de figure où la réaction serait totale. Donc on est dans le cas hypothétique. Donc la quantité finale de HIND, ce serait 0. En fait, elle serait égale à N0 moins Xmax. Donc ce serait équivalent du coup à dire que N0 moins Xmax serait égal à 0. Et donc ça nous amènera à dire que Xmax serait égal à N0. Et N0, la concentration, la quantité de matière initiale de l'acide, c'est quoi? Ben, c'est la concentration en soluté apportée fois
le volume. Donc je marquais C fois V. Ok? Maintenant, on va regarder le XF. Le XF, il est directement lié, tu vois dans le tableau, il est directement lié à la quantité de matière finale de H3O+. Quantité de matière finale de H3O+ égale XF. On le marque dessous. Donc deuxième point, XF, deux points, on a quantité de matière finale de H3O+ égale XF. Hop, voilà. Maintenant, je vais diviser par V des deux côtés, le volume. Donc, je divise par le volume. J'obtiens quoi? J'obtiens XF sur V égale quantité de matière finale de H3O+ sur V. J'ai divisé des deux côtés. Et c'est quoi la quantité de matière finale des ions H3O+ divisé par le volume? C'est la concentration des ions H3O+ et on est à l'état final. Donc là, en fait, à gauche, j'ai obtenu concentration de H3O+ à l'état final, et donc je sais que XF sur V, c'est à ça que c'est égal. Sauf que, dernière chose, la concentration des ions H3+ à l'état final, c'est quoi? Bah, c'est 10 moins pH, le pH que tu vas lire quand tu vas mettre ton instrument de mesure dans la solution. Donc regarde ce que tu obtiens. Tu obtiens une relation dans laquelle tu vas pouvoir isoler XF. T'as bien compris le truc? Parce que c'est ça qu'il faudra que tu refasses si tu es dans ce cas de figure. J'isole XF et j'obtiens XF égale V fois 10 moins pH. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de connaître le volume? Eh bien, parce que le volume, on ne te le donne pas. On te donne la concentration en solute apportée et on te donne le pH, mais tu n'as pas le volume. J'ai pas besoin de connaître le volume pour calculer le taux d'avancement. Parce que, si je résume, donc, on a dit que x max égale c fois v. On a dit que xf égale 10 moins ph fois v. Et taux, c'est xf sur x max. Et regarde ce qui va se passer. Tu l'as peut-être déjà vu, du coup tu l'as compris. Maintenant, les volumes vont se simplifier. Et ça, c'est une technique pour déterminer XF. Je te dis pas que que cette relation-là, ça va fonctionner tout le temps ou que ce sera toujours cette méthode-là. Parce qu'on peut très bien être dans un exo où on ne te donnera pas le pH. Dans ce cas-là, tu peux absolument pas faire cette méthode-là. On peut être dans un exo où on va te faire déterminer XF à partir de la constante d'acidité ou du pKa. Et là, c'est un autre type d'exo et il y a d'autres méthodes. Des fois même, dans certains exos, il faut résoudre une équation du second degré pour déterminer XF. Donc il y a plein de choses possibles. Mais dans cet exercice, vu qu'on a le pH, bah on peut faire ça. D'accord? On peut mettre en place toute cette relation et donc déduire finalement que le taux d'avancement, j'écris vraiment de toutes les couleurs, c'est un arc-en-ciel la page, le taux d'avancement, c'est 10 moins pH sur C. Donc avec C qui est égal à 2,60, je crois, 10 moins quelque chose, j'en sais rien, et puis pH. Je sais plus, c'était 4,18? Ouais, 4,18. C'était quoi? C'était 2,90 10 moins 4 mol par litre. 2,90 10 moins 4 mol par litre. Voilà, du coup tu fais l'application numérique et puis ça te donnera le taux d'avancement. Donc 10 moins pH, 10 moins 4, 18, divisé par 2,90 10 moins 4. Ça fait 0,23 environ. Donc 23% d'avancement pour cette réaction. Ok? 23% d'avancement. C'est pas énorme. Allez, question suivante. Je crois que c'est la question sur la constante d'acidité. Établir que la constante d'acidité de l'indicateur coloré vaut 1,9 fois 10 puissance moins 5. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va raisonner un petit peu en littéral et après on fera une application numérique. Comme ça, on continue dans l'idée de d'exploiter au maximum des questions, on va dire, redondantes. Donc la constante d'acidité, ça va faire concentration de la forme basique IND- à l'équilibre fois concentration de
H3O+ à l'équilibre divisé par concentration de AH à l'équilibre. Et puis un petit C0 si tu as besoin d'adimensionner le rapport, mais moi en général je ne les mets pas les C0. Donc en fait on a mis en évidence plus haut que la concentration de H3O+ à l'équilibre ou à l'état final, ce qui revient au même, c'est 10 moins pH. 10 puissance moins 4,18. Pour l'instant, je ne remplace pas, je ne calcule pas, je laisse 10 moins pH, on raisonne en calcul littéral. D'après le tableau, enfin, dans le tableau, on a mis en évidence, on peut mettre en évidence que IND- et H3+ ont les mêmes quantités de matière à l'état final. Du coup, si les quantités de matière sont égales, alors leurs concentrations sont égales. Donc la concentration d'IND- elle est égale à la concentration de H3+. Je vais le marquer ici. En écrivant ici égale concentration de IND-, d'accord? À l'équilibre. Comme ça, en fait, je sais que H3+ à l'équilibre et IND- à l'équilibre, ils valent tous les deux 10-pH. Donc là-haut, j'aurai 10-pH fois 10-pH, autrement dit, 10-pH au carré. Ok? Hop, hop. Donc là, au numérateur, je vais avoir 10-pH au carré. Et au dénominateur, la concentration de AH à l'équilibre, eh bien il faut la déterminer. Donc AH à l'équilibre, c'est quoi? Ben, c'est une quantité de matière divisée par un volume. C'est quoi la quantité de matière de AH? Enfin, pardon, j'ai dit AH. Excuse-moi, j'aurais dû mettre HIND depuis tout à l'heure. Zut. Je change les notations, bien que ça ne change pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on parlait de HIND. Donc on va laisser HIND. Donc ouais, la quantité de matière de HIND à l'état final, c'est N0 moins XF. Et tu te souviens que N0, c'est C fois V. Note ça, C fois V moins XF. C'est parti. Et XF, on l'avait trouvé tout à l'heure. Donc, N0 moins XF. Et donc ça fait C fois V moins... Et XF, c'était quoi XF? Je te le remontre. Il est juste là. En rose, magnifique rose, c'est V fois 10 moins pH. V fois 10 moins pH, ça c'est XF. Donc V fois 10 moins pH. Je vais séparer la fraction histoire de faire une simplification et que tu évites de faire une erreur classique que je vois beaucoup trop souvent malheureusement. Je te dis juste l'erreur classique, petite parenthèse. Les élèves qui simplifient V comme ça en disant, ah bah du coup je simplifie une fois V en haut, une fois V en bas. Ça c'est faux. Fais pas ça du tout, c'est faux, ça n'existe pas ça. Okay? C'est pas une règle de simplification qui existe parce que c'est pas ça la règle pour simplifier les fractions. Ce que tu as le droit de faire avec une fraction, c'est de diviser tout le numérateur et tout le dénominateur par une même quantité. En l'occurrence, quand on veut simplifier par V, alors on divise tout le numérateur par V et tout le dénominateur par V. Ce qui t'amène à dire ça. Mais pour te le mettre mieux en évidence, j'ai séparé les deux fractions, j'ai fait C sur V. C fois V sur V moins tout ça sur V. Comme ça, tu peux simplifier là par V et là par V. Okay? Bon, ça c'était un petit point de détail mathématique. En tout cas, il nous reste que la concentration de HIND à l'équilibre, c'est quoi? Ça fait C moins 10 moins pH. Voilà, tout simplement. C moins 10 moins pH. Donc, je reviens sur la constante d'acidité. Là, j'aurai C moins 10 moins pH. Bon, bah voilà. On fait l'application numérique. Et c'est bon, sachant que pour l'application numérique, j'avais mis ici les valeurs de pH et de concentration en soluté apportée. Voilà, je les remets là. Hop. Donc on va juste remplacer 10 moins 4,18 au carré, nanana, et voir ce que ça donne. Sur. Donc c'est 2,90, 10 moins 4, moins 10 moins pH. Bah ça donne 1,9, 10 moins 5. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. 1,9 fois 10 puissance moins 5. Sans unité, bien sûr. Non, ça c'était un autre exercice. Donc du coup, hop. Préciser, non, établir que la constante d'acidité vaut 1,9, 10,5, on vient de le faire. Préciser l'indicateur coloré étudié et la couleur de la solution à l'aide du tableau suivant. Donc, du coup, pour retrouver le bon indicateur, il faut avoir accès au PK
Et le pk, c'est quoi? Bah, c'est moins log de k. Je vais l'écrire là. Pk, c'est moins log de k. Donc je calcule moins log de 1,9 10 moins 5, moins log 1,9 10 moins 5. Ça fait environ 4,7. Donc environ 4,7. On est là. Voilà. Et donc on est avec du verre de bromocresol. Après, en fait, il faut préciser la couleur de la solution. Et pour ça, il faut regarder le pH. Le pH, il vaut 4,18. Tiens, oui, pourquoi on te demande la couleur? Parce que le flacon est opaque. C'est pour ça qu'ils ont dit, si j'étais en train de dire, bah, si on veut la couleur de la solution, il suffit de regarder le flacon. Et du coup, non, en fait, dans l'énoncé, ils ont précisé, le flacon est opaque. Du coup, il ne faut pas considérer que tu peux regarder à travers le flacon, parce que tu ne vois pas la couleur. Donc, on va la deviner juste à partir de la mesure du pH. Le pH vaut 4,18. Tu es en plein dans la zone de virage, puisque tu es compris entre 3,8 et 5,4. Du coup, c'est ni jaune ni bleu, mais c'est un mélange des deux. Et du bleu et du jaune, ça fait quoi? Bah, ça fait du vert. Ah bah d'ailleurs, ça s'appelle vert de bromocresol. Donc c'est peut-être pour ça. 4,18 compris entre... Donc ça, c'est pour répondre à la question. C'est pour répondre à la dernière question en fait. 4,18 compris entre 3,8 et 5,4. Donc, zone de virage. Donc, vert. Solution verte. Et voilà, fin de l'exercice, j'espère qu'il t'a plu. Donc tu vois, voilà, je t'ai montré les techniques, une technique qui revient super souvent, l'histoire de d'exprimer XF en fonction. Attends, je sais plus où c'est. Voilà, l'histoire d'exprimer XF en fonction du pH et du volume, d'exprimer Xmax en fonction de la concentration et du volume, et après de faire le rapport pour le taux d'avancement et de simplifier les volumes, c'est vraiment une technique que tu peux réappliquer, quelle que soit l'équation de réaction. En fait, là, tu peux mettre n'importe quel acide. Tu peux mettre AH plus H2O donne A moins plus H3 plus. Et pour toutes ces réactions-là, tout ce que je t'ai raconté, c'est vrai. En fait, on pourrait presque en faire une technique classique à connaître, quelle que soit la réaction de type AH plus H3 plus, plus H2O donne A moins plus H3 plus. Et puis après, pour le calcul de la constante d'acidité, même chose, un peu de calcul littéral, mais qui est applicable à n'importe quelle réaction du type dont je viens de parler. Voilà. Donc j'espère que cet exo t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage-le, diffuse-le pour participer à la grande aventure de cette chaîne YouTube de maths, physique, chimie, qui a l'air de vous plaire à vous les élèves. Donc voilà, moi je suis très content de faire toutes ces vidéos. Donc n'hésite pas à partager, diffuser autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si t'es toujours pas abonné. Et bien sûr, à aller faire un tour sur mon site internet si tu veux avoir du contenu un peu plus exclusif, si tu veux du coaching personnalisé. Tout ça, c'est dispo sur mon site en lien dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos d'exo, de cours et autres. Ciao!